Shalom, shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont présents et qui écoutent actuellement ce message. Alors, ici, aujourd'hui, nous allons débuter un nouveau programme dont le thème ici s'intitule « Les réalités de la Bible ». Autrement dit en anglais, « The Daily Reality of the Bible ». Donc, nous allons débuter ce programme et j'espère réellement que par ce programme, cela améliorera votre croissance et votre développement spirituel. Et vous positionnera pour un succès retentissant tout au long de cette année. Et que ces pensées, que par ces pensées qui seront inspirées, l'intérieur de ce message, que cela change à jamais votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons de réalité, réalité ici en latin, réalité en latin ici c'est veritas. Et en hébreu, nous entendons ici pragmaticotita. Donc, lorsqu'on parle de vérité, on entend par cela le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Ce n'est pas seulement une invention, une apparence, non. Cela nous parle de ce qui est réel. Alors, j'ai ici un plan établi ici qui vous montrera comment écouter ce message, car ici c'est un nouveau programme qui est établi pour des personnes qui désirent croître dans la spiritualité, qui désirent grandir dans la parole de Dieu, en la méditant quotidiennement. Alors, premièrement, vous allez écouter soigneusement chaque partie de ce message et vous allez dire les prières et les confessions à haute voix et vous-même quotidiennement. Vous allez les lire quotidiennement à haute voix. Donc, la parole de Dieu produira des résultats conformes à votre confession. Deuxièmement, pour vous aider à lire la Bible entière. Il y aura deux plans qui seront établis tout au long de ce message. À la fin de chaque message, je vous donnerai les versets. Il y aura deux plans qui seront établis quotidiennement pour une année et deux années. Vous avez maintenant la possibilité de choisir un plan qui vous convient. Troisièmement, les plans de lecture de la Bible ont été divisés en deux parties. Chaque jour, le Nouveau Testament le matin et l'Ancien Testament le soir. Donc maintenant, vous pouvez parcourir la Bible entière avec facilité et croître aussi dans votre connaissance de la parole de Dieu. Et enfin, quatrièmement, j'ai aussi tenu compte du fait que vous écrivez vos buts pour chaque mois. Mesurez votre succès en accomplissant un but après l'autre. Donc tout cela, je crois fortement que par ces plans qui ont été établis, vous retrouvez certainement dans l'un de ces quatre points. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre message par ce premier thème. Comme je l'ai dit, le thème de ce message, le thème quotidien, le thème en général, c'est les réalités de la Bible. Mais ici, comme première partie, nous allons parler de l'autorité. Nous avons son autorité. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains 5, verset 17. Donc nous comprenons ici que le Seigneur Jésus occupe la plus haute position qui puisse exister. Il est assis à la droite du Père, au-dessus de toute principauté, puissante autorité et domination. Et tout nom qui puisse être nommé, peu importe le nom qui puisse être nommé, mais saviez-vous que vous êtes en lui? Donc vous êtes assis avec lui dans la gloire. La parole déclare, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 2 verset 4 à 6. Donc, nous sommes appelés à exercer la domination pour vivre en maître et victorieux dans la vie par Christ. Nous régnons en lui et à travers lui sur Satan, les ténèbres, le monde et toute la création. Apocalypse 5 verset 10 nous dit que Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Et nous régnons sur la terre autant pour moi. Donc, Dieu a donné l'autorité sur toute la création à Jésus. Sur la montagne de la transfiguration. Il a parlé depuis les cieux, comme il parlait encore une nuée lumineuse. Les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
dans Matthieu 17, verset 5. Mais il a ordonné à tout ce qui existe, les choses vivantes comme les inertes. Donc, d'être soumise à Jésus et par extension, vous, parce que vous êtes en lui. Donc, vous n'êtes pas ordinaire. Vous opérez à partir d'un règne supérieur à vos paroles, sans soutenu par la déité. Donc, toutes les paroles que Jésus a déclarées se sont réalisées. Il a changé les situations désespérées parce qu'il avait toute autorité dans les cieux et sur la terre. Il a légué la même autorité à l'Église. Cette même autorité, il a légué ensuite à l'Église. Donc, vous et moi, il a dit dans Matthieu 28, versets 18 à 19, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez !» Donc, ainsi nous sommes à l'œuvre en son nom, le nom qui ouvre toutes les portes. Donc, réalisez que toute autorité vous a été accordée pour changer les circonstances de votre vie afin qu'elles soient en accord avec la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi déclarer les paroles de puissance. Donc, déclarer ces paroles de puissance et briser l'influence de Satan sur la vie des hommes. Et faites briller sur eux la lumière du glorieux évangile. Alors, avant de terminer, nous allons passer à cette confession, à cette prière. Vous allez juste répéter après moi de là où vous êtes. Je marche dans la domination sur Satan et le monde. Je suis assis avec Christ dans la gloire, la domination et la puissance. Ma lumière brille avec éclat. J'accomplis glorieusement ma destinée en Christ au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui veulent faire des études aussi approfondies, vous pouvez prendre le livre de Luc chapitre 10 verset 19 ou 1 Jean 4 verset 17. Donc pour ceux qui étaient question de la lecture de la Bible en un an, vous pourriez aussi prendre dans le livre de Romains chapitre 6 verset 1 à 14. Ou encore psaume 56, verset 59. Et pour ceux qui étaient dans la lecture de la Bible dans 2 ans, vous pourriez aussi prendre Éphésiens 5, verset 1 à 8, ou encore Ésaïe 52. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse.